Bonjour, je m'appelle Nicolas Stamm. Et on dit Stamm car on est en Alsace et c'est comme ça que ça se dit ici. Ceci dit, certains me connaissent déjà peut-être. Je suis passé à la télévision il n'y a pas tellement longtemps. J'y ai même fait les poubelles. Si, 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 mais c'était pour la bonne cause. Je vous le disais, je m'appelle Nicolas Stamm du restaurant La Fourchette des Ducs à Aubernay. Oui, il faut absolument que je dise que j'ai 2 étoiles au guide Michelin et que c'est aussi grâce au travail de Serge Schall en salle. Évidemment, tout le monde le sait, le service c'est important. Je ne suis pas parmi vous ce soir, vous l'avez remarqué. Remarqué, je l'aurais bien voulu, mais je suis overbooké. C'est ça, être une star. Je vais vous parler du web magazine goodalsace.fr, créé par Floralise Mbella. Notre région est connue et reconnue pour sa gastronomie. Son dynamisme est indéniable. Mais, il y a d'autres domaines où l'Alsace se distingue, en lien avec le premier, bien sûr. Les vins, les spiritueux, la bière, les arts de la table, l'agroalimentaire aussi. De qualité, bien sûr, toujours de qualité. Flora le sait bien. Elle couvre tout ça depuis des années pour la presse professionnelle et spécialisée. On peut dire qu'elle sait de quoi elle parle, à force. Goodalsace.fr va vous en dire davantage sur tous ces domaines. En gros, tout ce qui se pose sur une table, en Alsace, au restaurant ou chez vous sera dans goodalsace.fr. Et pour mieux vous en parler, le mieux possible, le site sera divisé en rubriques. Vous allez voir, c'est assez simple. La page d'accueil, c'est une vraie une. Toutes les dernières infos y sont, mises en valeur. Sur le côté, vous verrez les actus des partenaires. Et les actus sont affichées sur toutes les pages. Important si vous voulez qu'elles soient lues, n'est-ce pas? On commence avec la rubrique « Cette saison ». Important la saison, non? Primordial chez nous. Vous saurez donc quel est le bon produit du moment. Vous aurez de l'actu toute fraîche, des portraits, des rencontres, des escapades aussi dans la région et autour du monde, dans le sillage de globetrotteurs alsaciens. Et oui, l'Alsace, c'est international. Au fourneau, ce sont des recettes avec photos et extraits vidéo systématiques. Elles proviennent de chefs ou d'artisans, de professionnels donc. C'est important. Elles sont classées par thème. Et à chaque fois, vous aurez le descriptif et le nom de 2 vins qui vont bien avec le plat. Un vin d'Alsace, évidemment, on est en Alsace. Et un autre, un peu plus audacieux. On y parlera aussi des derniers bons bouquins de recettes. Vite à boire. Le titre parle de lui-même, mais on n'oubliera rien. Vin, bière, spiritueux et même boissons sans alcool. Même l'eau, on n'oublie rien, je vous le dis. Souriez, c'est testé. On évalue. On critique. Les restaurateurs, les cours de cuisine, les dernières innovations culinaires. On donne des bretzels ou pas. Car sur goodalsace.fr, l'étoile se dit bretzel. C'est bien connu. Non? Bah, ça viendra. En tout cas, certains professionnels pourront garder le sourire. D'autres pourront se remettre en question. Bon, là, je fais mon méchant, mais les critiques ne seront jamais méchantes ni injustes. Elles seront argumentées. Et si Flora est déçue lors de son premier passage, elle en fera un deuxième. Là, elle l'a promis. Mais elle n'est pas comme ça. Et j'en parle en connaissance de cause. C'est tout prêt. C'est la rubrique où vous n'avez rien à faire, ou presque. C'est le rayon des choses toutes prêtes, ou presque. Celles qui se mangent, se boivent, mais aussi les arts de la table et le linge. Parce que oui, c'est important une belle table, de belles assiettes, de beaux verres. Moi je dis que le flacon importe aussi quand on a l'ivresse, pas vous? Vous avez des questions? Floralise est là, elle, et c'est son bébé. Elle va donc vous expliquer 2-3 choses et répondra à toutes vos questions. Bon, on se dit à bientôt et merci de votre écoute très attentive. J'aime qu'on m'écoute quand je parle, même quand je ne suis pas là. Bye bye et bon vent à goodalsace.fr.